Ça fait 4 ans que je suis responsable des juniors, que c'est moi qui est coach en chef ici du programme junior. J'ai été ici de 13 à 20 ans comme junior, et de 13 à 18 ans comme junior, et ensuite 2 ans comme avant de passer mes cartes de pro. Et ensuite, j'ai été 4 ans comme professionnel au golf métropolitain, puis j'ai eu la chance de pouvoir revenir ici depuis 9 ans que je suis ici comme enseignant à temps plein. Le centre de développement junior ici, c'est que on a la chance d'avoir un plan, qu'on peut suivre un plan de développement pour nos jeunes. Et avec Golf Canada, bien, ça nous permet d'avoir, on a beaucoup d'exercices qu'on peut leur faire faire, on a beaucoup de barèmes, on a beaucoup, je dirais, c'est facile d'évaluer leur progression avec ce qu'ils nous donnent. C'est un super beau sport à faire quand on est jeune. Ça nous montre, je trouve, ça nous prépare à la vie autant. Je trouve que c'est le sport qui prépare le mieux à la vie. C'est le cheminement parfait, ça nous empêche de pouvoir faire des niaiseries. On est beaucoup mieux au terrain de golf que d'aller dans un parc. Fait que ça, c'est quelque chose que je me fais dire souvent par les parents. Puis c'est un sport qui est très difficile, qui demande beaucoup de patience. Je dirais que c'est un très beau sport pour ça. Commencer, je dirais, à la base, les premiers élans, les 6 à 9 ans. On a des cours le dimanche de 1h30. Dimanche soir, on a une quarantaine de jeunes. Et le mardi, c'est deux fois semaine, on a deux groupes. Donc, on a l'équivalent d'environ 60-70 juniors qui sont entre 6 et 9 ans. Ensuite, là, ils apprennent vraiment la base au niveau de la posture, au niveau de la grip. On les amène sur le parcours, donc en kart. Fait qu'ils aiment bien, ils aiment vraiment ça, aller sur le parcours. Ensuite, à 10 ans, ils tombent juniors. Donc, pour les juniors, on a des cliniques durant toute la saison. Au mois de juin, les fins de semaine, on a deux cliniques par fin de semaine pendant le mois de juin. Et ensuite, à partir du mois de juillet, on a 5 cliniques par semaine, des cliniques d'une heure et demie. Donc, le concours d'habileté qu'on fait à chaque dimanche pendant le mois de juin. Moi, personnellement, j'organise 2 semaines de camp avec des jeunes entre 9 ans et 15 ans. C'est des camps de 4 jours, de 8 à 4. Le matin, on joue au golf, on va sur le parcours jouer 9 trous. Ensuite, on a des cliniques en après-midi, on a 3 heures de clinique après le dîner. Dans le fond, on fait des concours tout le long de la semaine, ils accumulent des points. Puis avec les points, ils peuvent s'acheter des cadeaux à la fin de la semaine, le vendredi après-midi. Ben, je dirais personnellement, ça fait longtemps que je coach au niveau junior, que je coach les jeunes entre 10 et 18 ans. Puis depuis cette année, j'ai la chance de coacher au sport-études de Mortagne. Puis j'ai un groupe de 15 jeunes qui sont vraiment une solide équipe. On est vraiment content, vraiment chanceux d'avoir le golf études qui s'entraîne ici. Moi personnellement, je reste jeune, fait que j'aime vraiment ça. J'ai été jeune puis j'ai vraiment aimé être ici à tous les jours. Je les encourage à pouvoir faire ce que moi j'ai vraiment aimé quand j'étais jeune. Et en même temps, je dirais moi quand je vois quelqu'un qui est passionné de golf, ben j'aime vraiment ça pouvoir le développer puis être meilleur dans sa passion. J'aime ça le camp parce que ben on passe notre journée au club, on mange là, on pratique le matin, on joue un neuf, puis c'est bien le fun. Ben moi j'aime ça le camp ici parce que notre coach est vraiment bon. Hein. Moi j'aime les camps juniors parce qu'on fait plein d'activités de golf amusantes. Moi j'aime ça parce que c'est la première fois que je fais ce genre de camp-là, puis j'en apprends davantage, puis je suis avec mes amis aussi. Moi j'aime ça parce que ben ça m'améliore. Terminé, mais on est juste 12 clubs de golf à faire partie du club de développement junior. Et je pense que c'est vraiment important je dirais qu'il y ait le plus de clubs possible au Québec qui puissent adhérer à ce programme-là. Je trouve que pour le golf en tant que tel, on appelle ça en ce moment, on parle beaucoup que le golf il est en baisse. Hein. Mais je pense que chaque pro devrait avoir la conscience vers les juniors, puis de pouvoir, je dirais en anglais, j'ai le terme, c'est « grow the game », mais je dirais de réussir à faire en sorte que tous les jeunes, qu'il y ait plus de jeunes qui s'intéressent au golf. C'est un des plus beaux sports qu'on peut pratiquer en étant jeune.
En plus, pour faire partie du programme, c'est assez simple. Tout ce qu'on a besoin, c'est d'avoir un coach puis, qui suit ses niveaux. Puis qui reste, qui fait dans le fond tout ce qui est le niveau 3, là, qui est le coaching new competitor. Un, ça va aider le coach personnellement et ensuite le club de golf va pouvoir vraiment bénéficier de ça. Donc j'encourage fortement tous les clubs du Québec à adhérer au programme de golf du Canada, junior de développement du Canada.